Chaque spectacle a sa propre prémisse. Celle de l'air du temps est fort simple. Je demande au public de me proposer à main levée une année, de 1768 à aujourd'hui. Et pour chacune des années proposées, je revisite des pièces de musique qui furent composées cette année-là. Oui, je vous écoute. 1951. 1850. 2002. 1968. 1789. L'air du temps, c'est donc un voyage dans le temps, à travers l'histoire. C'est aussi l'occasion d'être ému, d'être surpris, mais surtout de chanter les chansons de notre vie. 84, 52, 113. 113, OK. Ah, 2008, OK. L'air du temps, c'est aussi l'occasion pour moi de partager ma passion sans limite pour la musique et de tester les limites de mes connaissances et de mes habiletés musicales. L'air du temps, c'est un rendez-vous historique.